Salut à tous! Aujourd'hui, je reviens avec un petit haul. Alors, ça fait longtemps que je n'ai plus fait de haul sur ma chaîne. Et donc là, c'est un petit haul action. Alors, c'est toutes des choses que j'avais déjà vues dans d'autres hauls. Donc, je ne pense pas, à part une chose que je n'ai pas vue dans des hauls. Mais pour le reste, je ne pense pas vous montrer des nouveautés. Bref, alors je vais commencer tout de suite pour que ça ne dure pas trop longtemps. Je vais premier vous montrer les articles qui sont facilement regardables comme ça. Et ensuite, je vous mettrai en plongée sur mon bureau pour vous montrer plus en détail les blocs paper blocs que j'ai pris. Bref, alors donc le premier article que j'ai pris, c'est les alphabets comme ceci en argenté. Ça sert toujours, voilà. J'ai des... Je vais pas dire des milliers, mais j'ai des dizaines et des dizaines d'alphabets, mais ça sert toujours, surtout je les utilise vraiment énormément. Donc c'est pas vraiment un achat compulsif, c'est vraiment un achat utile. Alors il y avait aussi en doré, mais le doré donnait un peu trop jaune à mon goût. Du coup, je me suis abattue sur le tout simplement le argenté. Alors ensuite, j'ai pris, je l'ai encore vu nulle part, mais bon, j'ai vu ceci, donc des masking tape. Vous savez à quel point je n'utilise pas mes masking tape, mais voilà. Je le voulais pour celui du milieu avec les pattes. Les deux autres, j'aime un peu moins, donc à mon avis, je vais les offrir. Donc voilà. Hein. Je vous donne pas les prix, vous savez que chez Action, c'est pas cher. Alors ici, j'ai pris un set comme ceci, donc de die cut. Vous les connaissez, vous avez déjà vu dans tous les hauls. Donc il y a des citrouilles, renards, enfin non, pas renards, c'est un écureuil. Voilà, il y a un peu tout ça. Ensuite, ça, je n'ai pas vu dans les hauls que j'ai regardé dernièrement. Il y en avait plusieurs, je n'en ai pris qu'un, pardon. Alors il y en avait avec du foil. Donc c'est un que j'ai pris avec du foil et d'autres avec des paillettes. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je déteste les blocs avec les paillettes parce qu'ils puent le chimique à mort. Donc du coup, il y avait un autre bloc qui me plaisait, mais c'était à paillettes. Du coup, je ne l'ai pas pris. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Alors j'ai pris celui avec le foil. Et donc, ben oui, je vais vous plonger comme ça. Je vais pouvoir vous montrer. Et ensuite, je vous montrerai aussi les blocs là en détail, parce que je n'ai encore vu personne le montrer vraiment en détail, donc je vais vous montrer tout en détail, comme ça vous allez pouvoir vous apercevoir. D'accord, hein, je recommence. Donc je vais vous les montrer en détail, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qu'il y a à l'intérieur. Bref. Alors pour le bloc, donc je vous le montre en détail. Alors j'ai dû allumer les lumières artificielles parce que le temps est totalement pourri, hein. Alors donc c'est des blocs, je sais pas trop c'est pour quoi faire. Il est marqué Design Paper Pad Deluxe. En fait c'est tout des, c'est pas des pages entières réellement, c'est des, vous voyez? Je sais pas, c'est pourquoi exactement. Peut-être pour faire des cartes et compagnie. Mais je me dis que pour mon, comment, pour mon Project Life, ça ira tout à fait bien. J'arrive plus à parler, ça va aller. Je reviens du boulot, je suis un peu fatiguée. Bref. Alors, dans ce bloc, donc, il y a une feuille avec du foil et d'autres sans. Donc, c'est une avec du foil et deux sans. Il y a ce motif-là, donc Dream Big. Donc de grands rêves. Je m'améliore en anglais, hein, vous voyez. Ensuite, il y a celui-ci. Celui-ci, j'allais dire. Celui-là, je l'aime bien. Avec le doré, je l'aime vraiment bien. Et les autres sans doré également. Mais celui avec le doré, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, il y a celui-ci. Donc bleu, marine, vert. J'aime vraiment beaucoup ces couleurs-là. Vous savez que j'utilise pas mal de vert quand je scrape. Et j'adore le bleu, donc voilà. Ensuite, il y a celle-ci. Je suis un peu moins fan, j'ai envie de dire. Mais voilà. C'est dans le bloc, celle-là. Hein. Ensuite, il y a celui-là. J'aime beaucoup l'effet comme ça. Donc ça, c'est avec de l'encre allez, à alcool. Il me semble qu'on sait faire ce genre de choses toutes belles. Ensuite, voilà, sans le foil. Ensuite, il y a celle-ci. Ah, il y a un défaut, il n'y a même pas de feuille sur celle-ci. Ah, ben tant pis. Donc, celle-ci, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais il n'y a pas de feuille.
Voilà donc pour la dernière. Ah non, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Et donc la dernière, la voici. Celle-là aussi, je suis moins fan. Je préfère peut-être sans foil. Là, il y a un peu trop de foil. Ça fait cracra. Donc voilà pour ce bloc. Alors il y avait plusieurs blocs comme je vous le disais tout à l'heure. Donc avec du foil et des paillettes. Il y avait un qui me plaisait vraiment bien avec les paillettes. Mais voilà. Comme vous savez, je déteste parce que ça pue. Ou alors je me dis que je l'achète très bien. Et je retire les feuilles à paillettes vu qu'il n'y en a qu'une logiquement. Je ne sais pas si dans les ceux à paillettes, s'il y a une à paillettes et les autres sont. Il faudrait que je regarde. Sinon, oui, je pourrais faire ça. Acheter et retirer celle avec les paillettes et les donner, les offrir ou autre. Donc voilà pour ce bloc. Ensuite, j'ai acheté donc 3 Papercraft sets comme ceci. Je vais vous les montrer en détail parce que, ben voilà, je pense que je n'ai vu personne les montrer en détail. Pourquoi pas? Je les ai déjà ouverts et regardés moi personnellement en détail parce que je mourrais d'envie de vous les voir en détail. Malheureusement, dans les hauls que j'ai vus, il n'y avait pas les détails. Mais bon, en magasin, on se rend bien compte de ce qu'il y a à l'arrière. Hein, donc voilà. Alors, hop, je vous fais un petit zoom. Alors, il y a de la twine avec des petits grelons. Des petits grelons. Ensuite, il y a 2 planches de stickers comme ceci. J'aime beaucoup les genres de gnomes, là, c'est trop marrant. Ensuite, il y a des pages comme ceci en A5. J'aime beaucoup celle-là. Je l'aime vraiment d'amour. J'aime trop. Je l'encadrerai bien. Si je ne sais pas l'incorporer dans un. Comment? Dans mon album ou autre, je pense que je vais peut-être l'encadrer. J'aime beaucoup l'image. Ensuite, ça y est, derrière, j'aime pas trop, c'est écrit en anglais. Ça tombe bien, c'est derrière l'image que je kiffe. Ensuite, il y a celle-ci. Et derrière, c'est comme ceci. Je préfère ce côté-là, bien évidemment. Ensuite, une tête de cerf. Et l'arrière, comme ceci, avec les formules mathématiques. Je pense. Enfin, formules chimiques plutôt. Mathématiques. Ensuite, il y a celle-ci avec l'arrière comme ceci. Ho ho ho! Celle-ci. Et celle-ci. Donc voilà pour les feuilles A5. Ensuite, il y a des tags. Et les tags sont comme ceci. Alors, il y a beaucoup de textes en anglais. Donc, je suis un peu moins fan. Mais il y a moyen de. Par exemple, si je prends le tag là et mettre quelque chose devant là, il y a moyen de faire quelque chose de chouette. Donc, voilà. Ensuite, au niveau des die cuts, je vais vous montrer, peut-être dézoomer du coup, pour que vous voyez en entier. Oups! Dans l'autre sens, Mélanie. Alors, il y a cette planche-ci, donc avec au milieu une tête de cerf. Je vous le montre en détail. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, j'ai pris. Il y avait plusieurs sets, je ne les ai pas tous pris. J'en ai pris 3, il y en avait peut-être 5, je pense. Mais ce set-là fait beaucoup. Enfin, ça fait Noël, hein. Mais ça fait aussi Nouvel An, je trouve. Doré comme ça, la bouteille ici de champagne. Je trouve que ça fait. Oui, ça fait Nouvel An. Donc c'est bien, je vais pouvoir faire mon album Noël et Nouvel An avec tout ça. Cette année-ci, j'avouerai que j'ai beaucoup craqué pour du Noël chez Action. J'en ai pour des années. Hein. Les formules chimiques toujours reprises là. C'est marrant. Ensuite, hop, la dernière ici. Donc, il y a quand même pas mal de textes en anglais, mais il y a aussi, vous voyez, en français, Joyeux Noël. Mais bon, c'est vrai que. La globalité est en anglais, malheureusement. Mais bon, voilà, il n'y a pas que ça, donc c'est pas grave. Et ensuite, les feuilles A4. Alors, les feuilles A4, vous savez que je kiffe ça parce que je fais un bloc. Un bloc. Je fais un album Project Life en A4, donc c'est vraiment chouette. Donc, il y a celle-ci, avec l'arrière comme ceci, avec des petites étoiles. J'essaie de vous montrer de plus près vu que je pense que c'est beaucoup trop lumineux. Ensuite, il y a ce côté-ci avec des petits arbres et celle-ci avec des étoiles à main levée, hein. Ensuite, il y a celle-ci
qui est pas mal. Et celle-là avec un voilà un petit dégradé ici. Hop. Ensuite il y a celle-ci avec des flocons de neige. Donc c'est jaune pour donner un effet comme si c'était doré. Ensuite une page comme ceci avec marqué partout la 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 la. La 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 la. Ça va aller. Ensuite, il y a celle-ci avec des lignes noires et des étoiles. Ensuite, ici. Alors là, il y a Santa avec une traduction en anglais. Hein. L'anglais, moi, ça fait 18 000, donc bon. Hein. Ici, du bois avec comme s'il y avait des flocons de neige qui tombaient devant. C'est plutôt pas mal. Et ce côté-ci avec des sapins de Noël. Donc voilà pour le premier set. Alors, j'ai tout démonté, j'ai tout mis comme ça, mais c'est pas grave. Personnellement, je vais les mettre dans des pochettes A4 comme ceci, donc qu'on trouve aussi chez Action. Voilà, je vais mettre tout ça là-dedans, comme ça je ne perds aucun élément de mon set. C'est ce que je fais en général de toute façon avec tous les paper blocks de chez Action. Ensuite, il y a celui-ci, donc dans les tons un peu plus rouge, vert, traditionnel Noël, quoi. Alors, comme pour l'autre, il y a des pages A5. Bon, on a été coupé par la batterie de mon appareil qui a rendu l'âme. Mais, donc, c'est pas grave, hein, je ne sais plus où j'en étais, mais voilà. Donc, je vous présente le paper block là en question. Alors, donc, toujours les breloques et la twine. Ensuite, les deux planches de stickers, elles sont trop, trop mignonnes. Regardez-moi cette mignonnerie avec les pingouins. Je pense que c'est des pingouins ou des bœufs. Bref, c'est trop mignon. C'est le principal. Donc, il y a toujours Falala, oh ho ho. Franchement, je crois que c'est mon set préféré entre les trois. C'est vraiment trop mignon. J'adore. Ensuite, au niveau des pages A5, il y a celle-ci, donc traditionnelle rouge. Une autre avec des cœurs, comme ceci. C'est très mignon. Il y a celle-ci, effet mur, hein. Il y a celle-ci, du vert, comme ça, j'adore. C'est vraiment ma couleur que j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Le bleu et le vert, il n'y a rien à faire. J'adore. Ensuite, il y a celle-ci qui fait un peu plus traditionnelle. Et là, des petites étoiles. Étoile sur étoile sur étoile. Et ensuite, quand on regarde autrement, on voit d'autres formes. Enfin, c'est psychédélique. Ensuite, il y a cette page-ci, donc il est marqué Merry Christmas un peu dans tous les sens et dans tout. Voilà, hein, sur toute la feuille. Ensuite, il y a celle-ci, j'aime beaucoup. Ensuite, celle-ci. Voilà, hein, je vous dis toujours la même chose. Ensuite, ensuite, ensuite. Ça fait. Ouais, j'aime moins. Je préfère le côté là. Ce côté-ci, c'est pas mal. Et ce côté-là. Voilà, ça fait une grande étoile, on dirait une grande étoile de David. C'est marrant. Et ensuite, des tags encore et toujours. Alors, regardez, ils sont trop beaux. J'aime bien le falala. Est-ce que vous êtes prêts pour Noël? Hein, on n'est que le 7 novembre. C'est vrai que c'est encore un peu tôt pour parler Noël ou décorer Noël, mais. Je sais pas, il y a tellement l'ambiance Noël dans tous les magasins que finalement on a l'impression d'y être déjà. Ensuite, les die cuts, trop mignons également. Donc là, avec la traditionnelle voiture et sapin à l'intérieur. Ça fait quelques années qu'on voit beaucoup de die cuts et stickers dans le même genre. Donc voilà pour la première. La deuxième, la voici, la voilà. Avec un petit hérisson, c'est trop mignon. Et ça, regardez comme c'est trop kawaii. J'adore. Un ours. Alors, il est un peu bizarre, hein? Il ressemble à un ours chien. Le petit lapin, là, il est trop, trop mignon. Qui sort du chapeau de Noël. Ensuite, il y a celle-ci. Voilà, toujours aussi mignonnet. Oh, regardez la boule à neige là, elle est trop magnifique. J'adore. Ah, j'ai oublié. Enfin, j'ai oublié, j'allais dire. Non. J'ai perdu un petit élément. Donc pour faire Joy. Hop.
Trop fort les casiers là. Ça me fait penser au boulot. Sauf que nos casiers sont pas rouges, mais voilà. On a des casiers au boulot identiques. Ensuite, les pages A4. Les voici, les voilà. Elles sont trop belles, j'aime beaucoup également. Donc, hop, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petites étoiles et des flocons de neige. Ensuite, il y a celle-ci, très simple. Ensuite, ceci, on dirait un lainage rouge, comme ça. J'aime. Jingle bell, jingle bell, jingle. Là, c'est des tasses de café avec des bonhommes de neige, enfin une tête de bonhomme de neige dessinée à l'intérieur. Ensuite, il y a celle-ci, j'aime beaucoup le dégradé. À mon avis, c'est le côté là que je vais utiliser. Ouais. Ensuite, toute une guirlande comme ceci, jaune, vert, rouge, dans les couleurs traditionnelles. Et celle-ci avec des têtes de cerf. Ensuite, il y a ceci, un damier, je crois que ça s'appelle comme ça. Un peu comme s'il avait été fait à l'aquarelle. Je ne sais pas si vous voyez. Ça donne plutôt pas mal. Et des points rouges, tout simplement. Ensuite, des mots en anglais. Et regardez-moi ça, c'est trop mignon. Donc, voilà pour le deuxième set. Je vais passer au troisième. C'est déjà bientôt fini. Sniff. Donc le troisième set, c'est celui-là, donc en noir et blanc. J'ai craqué aussi dessus, il y a vraiment de très jolies choses. Donc je vous montre. Cette fois-ci, donc il y a toujours les petits grelots, mais cette fois-ci une ficelle en craft, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, on s'en fiche. Ensuite, les stickers. Donc très sobre, c'est vraiment des couleurs très sobres, c'est limite bleu vert très clair. Voilà, toujours avec des mots en anglais. Ensuite, les pages A5, donc il y a celle-ci, j'aime beaucoup. Avec l'arrière comme ceci, comme si c'était un pull, donc on voit que c'est un lainage quand on regarde de plus près. Ensuite, il y a ceci, donc des rondins de bois. Et ce côté-là, je préfère ce côté-là. Ensuite, il y a cette page-ci. Avec ça, je préfère ce côté-là, tout naturellement. J'adore, franchement, j'adore. Ensuite, il y a ce côté-ci, je vous montre un peu plus près. Et celui-là, j'aime bien les deux côtés. Ça va être dur de choisir. Ensuite, il y a ce côté-ci, on dirait de la givre. Ouais. Et ce côté-ci, j'aime bien les deux côtés là aussi. Ensuite, un rond de bois. Ok, bon. Donc bien zoomé. Et ce côté-là, tout simple. Je ne sais pas si vous voyez avec la lumière, c'est très simple. Donc voilà pour les pages A5. Ensuite, il y a les tags, toujours avec du texte. Là, c'est un lainage bleu. Voilà donc pour les tags. J'aime bien. Ensuite, les die cuts. Youp. Les voici, les voilà. Alors, j'aime beaucoup également. Je regarde encore... Je trouve que, par contre, pour les die cuts là, c'est dommage qu'ils aient mis un fond bariolé. Parce que je trouve que ça étouffe les die cuts et qu'on ne les voit pas, on ne les voit pas très bien. Vous voyez, je vais vous montrer si je trouve... Enfin, oui, en fait, sur les autres aussi, c'est bariolé, mais c'est plus discret. Que là, c'est fort, enfin, ça saute aux yeux. On voit plus trop les die cuts, je trouve. Bref, juste pour dire ça. Ensuite, il y a celle-ci avec la voiture et les bagages. Oh, partir en vacances, même en hiver, c'est juste la classe. Il y a celle-ci. Vous voyez, là, le sapin, il est étouffé par le fond bariolé, je trouve. Et celle-ci,
Donc, vous voyez, il est bleu, bleu ciel nuit, comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Mais quand je l'aurai détaché, à mon avis, il donnera encore mieux. Oui, moi je le dis. Donc voilà pour les die cuts. Et ensuite, les pages A4. Et ensuite, mon haul action sera terminé. Allez, ah, voilà. Donc, il y a cette page-ci. Donc, des fanions. Celle-ci. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Donc, c'est du bois clair. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, il y a la page là. Je l'adore, celle-là. Franchement, je kiffe. Avec l'arrière là. J'ai envie de dire que je préfère l'autre. Donc, voilà. Ça tombe bien. Ensuite, des pommes de pin en noir, comme ça. C'est pas mal. Et ce côté-là que j'aime un peu moins. Ça tombe bien parce que je préfère les pommes de pin. Ensuite, un tas d'alignements de maison. Comme ceci sur un fond noir. Et l'arrière, par contre, là, j'aime bien, mais ouais, je préfère celui-là. Donc, c'est encore un lainage, donc clair. J'espère que vous voyez bien. Avec une bande comme ça de serre sur le bas. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, un fond comme ça avec plein de petits cadeaux. Et un autre fond comme ceci. Et donc, la dernière, c'est comme une feuille quadrillée avec un Père Noël et ses serres. Ho, ho, ho! Et ensuite, l'autre côté, comme ceci, avec des ours. Par contre, j'aime bien les deux côtés, là. Ça va être dilemme. Moi, je le dis, ça va être dilemme. Voilà, donc, j'en ai terminé là avec mon petit haul. J'espère que ça vous aura plu. Je regarde autour de moi. Oui, j'ai fait des achats pour terminer un calendrier de l'Avent qui vient d'un autre magasin, donc je ne peux pas vous montrer. Mais c'est vrai que j'ai acheté deux, trois petites choses autre que chez Action. Bref, ben voilà, donc j'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé comme d'habitude. Voilà, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!